Et yo tout le monde, c'est UnderXL. Et aujourd'hui on se retrouve sur un petit chargement de terrain. Par contre il y a trop de slime. Voilà, parfait. Sur un petit chargement de terrain, sur une flat map. Pour commencer, comme vous l'aurez vu dans le titre, un petit let's build. Par contre ça va m'énerver. Do mob spawning false. Et voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un let's build. Et dans le let's build, à chaque épisode, on va faire une partie d'une ville. Donc on va commencer par exemple aujourd'hui, ce que j'ai le projet, c'est faire quand même une caserne de pompiers, comme vous l'aurez vu dans le titre. Après, prochain épisode, je sais pas, on pourrait faire un café, un immeuble, je ne sais pas. Mais ça, ce sera à voir par plus tard. Donc, la caserne de pompiers, elle ressemble à une caserne que j'ai trouvée forcément sur Internet. Et on va commencer par la faire tout simplement maintenant. Donc, on va commencer par se munir de hardened clé rouge ou terre cuite durcie. Et on va faire un pilier de... je ferai bien un set de hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'on va venir raccorder au futur bâtiment qui sera par là. Ensuite, on va doubler ici. On va commencer par faire les façades. Parce que quand je construis, je commence toujours par faire les façades. Ne me demandez pas pourquoi je fais comme ça, mais j'ai toujours fait comme ça. Ensuite, vous allez prendre du quartz rayé. Vous allez en mettre dans le bord le plus profond de votre façade. Donc ici. La porte, elle va faire... Attendez. La porte, normalement, elle devrait revenir jusqu'ici. Et vous faites comme ceci, qui va venir aussi se relier au futur bâtiment. Et ensuite, ici au milieu, vous comptez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, vous mettez au sixième bloc un bloc de quartz que vous remontez jusqu'au pilier au-dessus. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Même chose. Désolé, j'ai du nouveau matériel. 1, 2, 3, 4, 5. On monte. Et on va légèrement allonger ici. Voilà, ça c'est parfait. Et ensuite, que je réfléchisse. Laissez-moi le temps parce que c'est de la totale improvisation en ce moment. Vous allez prendre de la neige. Ouais, de la neige, c'est ce qui rendra le mieux. Une porte. Genre une porte. Si, les portes. Celle qu'on pourrait mettre, une porte en bois de bouleau pour rester dans le ton clair. Ouais, on peut faire une porte en bois de bouleau. Donc vous faites 3 de large, vous montez jusque ici, vous laissez la place pour la porte. Non, la neige ça me convainc vraiment pas. Ce que je... Le plus blanc c'est le quartz. Je pense que ça rendrait déjà mieux de mettre un peu de quartz à la place de la neige. Parce que j'ai pas un bon pack texture pour ça. Ouais, avec du quartz. Le quartz, ça passe quand même mieux. Je me trompe de quartz. Oula. Et ici, vous mettez un bloc de quartz pour faire la porte d'entrée. Donc, ensuite, vous allez remonter d'un cran avec le bloc de quartz et vous allez faire
comme la hauteur, 7 de large. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que ça fait pas trop large? Non, c'est parfait. Et là, vous allez monter une tour qui sera beaucoup plus haute. Donc ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocs de haut. Oh, c'est parfait ça. 15 blocs de haut, comme ça, on a la tour ici. Vous allez laisser 3 blocs de large où il n'y aura rien et vous allez monter tout le reste. Tout le reste, vous le montez. Si ça veut bien. On le monte. Et ensuite, on vient relier ici. Et ici, vous allez creuser les trois blocs. Ici, vous allez voir pourquoi quand on aura continué un peu plus la caserne. Ensuite, vous allez laisser un bloc. Puis, vous allez remonter plus ou moins vers cette hauteur-ci que vous allez laisser. Vous allez remettre un bloc. Puis vous allez en mettre deux que vous montez comme ceci. Donc pour l'instant ça ne ressemble pas trop à quelque chose, mais laissez-moi le temps de build. Ensuite vous allez laisser encore de nouveau un, puis vous allez remonter, puis vous remettez un, et voici votre première façade qui est faite. Donc ça c'est la première façade sans les vitres ni rien. Donc je vais faire une ellipse le temps de terminer les autres. Et on se retrouve juste après que j'ai terminé de construire une partie des façades et le plafond comme au-dessus de la caserne. Donc j'ai fait ici le toit rouge, il fait 18 de large, comme ça vous avez les dimensions. Et vous n'êtes pas trop perdu lors de l'explication. Et ici derrière, je sais pas si je vais faire quelque chose. Je regarderai pour faire, mais ça, ce sera sûrement plus tard dans l'épisode. Donc, après, ce qu'on va faire, on va commencer par les blocs parce qu'ils sont plus faciles, forcément. Vous allez prendre des blocs de verre. Vous allez les monter jusqu'au niveau ici, et vous allez relier les deux parties ensemble, tout simplement. Donc ici, il n'y a pas grand chose à faire. On relie juste le verre de chaque côté. Et après, quand ça c'est terminé, vous allez placer des dalles sur dessus pour faire un petit effet de relief quand même, que ça fasse pas trop plat, je vais dire. Et vous allez faire ça, tous les trous qu'il y a ici sur le dessus. Donc j'ellipse encore un petit peu, le temps de terminer. Et on se retrouve de nouveau. Ici, bon, j'ai terminé de poser les vitres, comme vous pouvez voir. Donc ici, tout le long, j'ai mis les vitres. Et j'ai aussi fait cette petite verrière. Donc voilà l'espace de 3 à quoi il est dédié. Il est dédié à mettre des vitres. Et on va se retrouver au prochain épisode pour continuer l'avancement de cette ville, qui est quand même un assez énorme projet. En attendant les prochains projets à venir. Voilà, j'ai enfin réussi à le dire. Merci à moi. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode.